Les ex-salariés d'SFR, après 3 ans de procédure, ont obtenu des dommages et intérêts suite à une décision des prud'hommes. Le tribunal a reconnu le caractère abusif du transfert en 2007 du centre d'appel SFR Mobile à Infomobile. Les ex-salariés estimaient que cette manœuvre était un plan social déguisé. Suite à ce jugement, chaque salarié pourrait recevoir entre 9 et 16 000 euros. SFR a décidé de faire appel.